Rodez 17ème, accueille Metz 7ème, les Messins se déplacent avec Caillard dans le but, Oukidja est suspendu, Mikotadze, Maziz, Gay et Nian sont titulaires. Rodez de son côté évolue avec Danger et Boissy au milieu, Corredor et Mendes devant. Début de match en faveur des Messins, première possibilité et premier but après 21 minutes. Maziz a pu lancer Georges Mikotadze, l'homme en forme, marque le but du 1-0, le troisième but déjà cette saison pour le joueur géorgien. Metz mène 1-0 à la 21e minute. Rodez s'est fait surprendre et a du mal à répondre aux assauts de l'adversaire. Mikotadze a mis un but important et Metz continue à aller de l'avant et à récupérer des ballons. Exemple avec cette passe manquée des Ruthénois. Nian finit par donner le ballon sur le côté et c'est conclu par Georges Mikotadze, encore lui, le doublé à la 36e minute, le quatrième but de la saison pour Mikotadze. Et Rodez en grande difficulté face au Lorrain et à Mikotadze qui a déjà réussi ce doublé à 10 minutes de la mi-temps. Le score est de 2-0. Et ça n'est pas terminé pour Metz, avec toujours un ballon pour Mikotadze. Il cherche la frappe, ne la trouve pas, donne en retrait. Mathieu Hudol arrive lancé pour porter le score à 3-0. Deuxième but de la saison pour Hudol. Deux buts et une passe décisive pour Mikotadze. Quel match du joueur géorgien. Le match presque parfait pour Mikotadze. Et pour Metz qui mène 3-0 sur le terrain de Rodez. Le score est important. Rodez se retrouve mené de 3 buts à domicile à la mi-temps. La situation est assez compliquée pour les Ruthénois, même s'ils vont essayer de se relancer en seconde période. Ballon récupéré par Rodez. Enfin, une attaque qui peut fonctionner avec ce centre et la belle reprise de la tête de Clément Depré. Réduction de l'écart à 3 buts 1 à la 69e minute. Un petit peu d'espoir pour Rodez. Très joli centre de Bradley Danger et le but de Clément Depré. Son troisième de la saison, son troisième de suite. Trois matchs de suite en marquant, c'est bien pour Depré, mais il y a toujours deux buts de retard. Et Metz repart de l'avant avec un contre favorable. Le ballon revient sur Youssef Maziz pour le quatrième but des Messins à un quart d'heure de la fin. Premier but de la saison pour Maziz. Metz reprend 3 buts d'avance et se dirige tranquillement vers la victoire. Belle efficacité des Lorrains pour un score assez large à l'arrivée. Victoire de Metz, 4 buts 1 sur le terrain de Rodez.